suis Mélanie Lallement-Fluchère, je suis architecte d'intérieur et designer. Et ce qui me fait vibrer et ce qui me fait avancer dans mon travail, c'est l'humain. Parce que pour moi, l'être humain, il vit, il bouge, et donc mon travail va être de l'accompagner dans toutes les facettes de sa vie, que ce soit dans un agencement intérieur, mais aussi dans tous les espaces qu'il va parcourir. J'intègre vraiment toutes les personnes qui évoluent dans un lieu, que ce soit le maître d'ouvrage, ses clients, les utilisateurs, mais aussi les gens qui vont travailler dans l'espace. Ce qui m'intéresse, c'est de suggérer. Plutôt que de montrer des images pour évoquer directement un concept donné, c'est au contraire d'aller chercher qu'est-ce qui va, dans tel ou tel sujet, réveiller les sens de l'utilisateur. En fait, voilà, ce qui m'intéresse, c'est parler à l'humain, mais à ce qu'il ressent, et pas forcément lui parler littéralement. Je pense que ma pratique professionnelle évolue aussi avec, quelque part, l'époque qu'on traverse. J'ai vraiment envie et je prends plaisir à travailler en collaboration avec d'autres architectes ou d'autres créateurs qui ont des compétences complémentaires avec moi. Je me suis justement installée dans un espace de coworking avec beaucoup de créatifs et beaucoup de milieux professionnels différents. Il y a une émulation du travail qui est passionnante. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de pouvoir développer une architecture qui utilise des matériaux écologiques, mais qui utilise aussi les nouvelles technicités qu'on continue à développer pour créer des projets qui soient plus ouverts à l'humain, quelles que soient les raisons sociales, quelles que soient les différentes affinités.